Vous ici présents, vous ne voulez pas voir notre élection volée par des vieux démocrates de gauche. On ne se laissera pas faire. On n'abandonnera jamais. On ne cédera jamais cette défaite. C'est une question de vie ou de mort. Je sais que bientôt vous marcherez tous vers le Capitole, pacifiquement, patriotiquement, faire entendre votre voix. Eh bien, j'ai escaladé l'un des murs, on est arrivé dans le lobby. Un des manifestants a réussi à rentrer, à pénétrer dans le bâtiment. C'est là qu'il y a eu des lacrymogènes. The vice president of the United States. Le vice-président a été plaqué au sol par les membres des services secrets. Ce que nous voyons actuellement est digne d'une république bananière. Notre gouvernement nous a laissé tomber trop souvent. C'était notre chance de reprendre le contrôle. Nous sentions que c'était nécessaire. Je pense que ce n'est que le début. Il y a beaucoup de choses très mauvaises qui ont été faites pendant des décennies. C'était quelque chose que nous devions faire. Les scènes de chaos au Capitole ne reflètent pas la vraie Amérique, ne représentent pas qui l'on est. Ces scènes sont celles d'un petit nombre d'extrémistes qui ne respectent pas le droit. What happened today in Washington DC is not America. La France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination. Nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns.